Okay, so good morning, everyone. It's 11:30 sharp. So, Babaka. Perfect, I think we can start. So, welcome everyone. I just want to inform you that we do have a translation, so in case you need to take the headsets, please don't hesitate, it's there. Great, so today, December 11th, we are discussing a special topic, which is from incubation to financing for adaptation, how to accelerate the development of projects on water and climate. I will be your moderator today. So my name is Khawla Jewi. I'm the Climate Department Director at the Sahara and Sahel Observatory, which is an accredited entity to the Green Climate Fund and the Adaptation Fund. So ladies and gentlemen, water is one of the first victims of climate change, with more frequent and intense floods and droughts, reducing river flows, degradation of aquatic ecosystems, and rising sea levels, leading to salinization of coastal groundwater and soils. So to address these challenges, it is crucial to develop and implement projects and undertake actions to promote water resource management and climate change adaptation in the several water bodies. These initiatives offer considerable potential for reducing community vulnerability to the impacts of climate change, enhancing water security, and promoting sustainable development. In this case, INBO and its Permanent Technical Secretariat have been working since 2016 on the incubation of these projects, enhancing in particular the interest of integrated water resources management at the level of the basins. So here we will be mainly talking about how to manage water at catchment level and some examples on transboundary catchments. Ladies and gentlemen, this session addresses how to boost the development of projects of adaptation to climate change in the basins of lakes, rivers, and aquifers. Several leading experts and decision makers are invited to speak, and they are part of our excellent panel today, to speak on the issues and opportunities. This session will consist of an introduction, we'll have then a panel discussion, followed by questions and answers session. Obviously, you will have the opportunity to ask them questions. And in particular, we'll listen to the contribution of the different persons attending this event, and we'll focus on identifying key challenges and opportunity to accelerate the development of water and climate change projects. So I will be briefly presenting our panel. So our session will be organized into subsessions. The first one is dedicated to water and climate project holders, and the second one on water and climate project donors. So the first one, we have Mr. Ababaka Mbaye, who is a PhD in environment science, specialist in water and water assessment and sewage treatment. He is director of environment and sustainable development at the OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Next to him, we have my boss, Mr. Nabil Ben Khatra. He's the Executive Secretary of the Sahara and Sahel Observatory. He's also an agronomist, and he's specialist in remote sensing and GIS. And then we'll have Madame Sandrine Rocard, who's General Director of the Seine-Normandie Water Agency. The second session will be dedicated for project donors. We'll have Mr. Lance Gore, Principal Water Resource Specialist from the Asian Development Bank.
and Mr. Mohamed Abubakar Suyuti, Senior Climate Change Specialist and Lead of for the Result-Based Management Unit. And obviously, we are honored by Our Excellency, Mr. Nizar Baraka, President of the International Network of Basin Organizations and Minister of Equipment and Water, the Kingdom of Morocco. So we can see here that we have a mix from the different continents. We have Europe, America, Asia, and Africa. So we can just maybe clap for our panelists. Thank you so much. And we shall be starting our first session, which is entitled Water and Climate Project Holders. And we are starting with Mr. Abubakar Mbaye. And I do have one question. Every panelist will have 10 minutes, just to be sure that we are fair in giving time to the panelists and again to the room. So can we just start with the presentations, please? Alex, the first one. So my question that goes to Mr. Abubakar Mbaye is, I'll just say it in French. Alors, quels sont les mécanismes de financement de l'OMVS? Et puis, vous allez nous présenter un plan d'investissement climat à 2033 et les initiatives de financement innovants. Donc, on aimerait savoir comment est-ce que l'OMVS œuvre pour l'incubation de ces projets et quelles sont vos perspectives futures. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, avec un grand plaisir de participer à ce panel si important au nom de son Excellence Monsieur Mohamed Abdel Fattah, donc le commissaire donc de l'organisation de la mise en valeur du flot Sénégal. Saluer ouvertement l'ensemble des panélistes, les honorables ministres et directeurs généraux, présidents. Et les participants ici au niveau de ce panel. Alors, je crois que l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est évidemment partagée par 4 pays, qui sont évidemment la Guinée, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, qui sont évidemment des pays qui sont considérés comme des pays moins avancés d'après le classement donc, de l'ONU. Qui dit cela, donc, pense déjà à une vulnérabilité, tout simplement, donc, de ces pays, donc, forcément, de ce bassin. Alors, nous allons essayer de présenter, comme vous l'avez si bien dit, par rapport aux activités, aux approches pilotes que l'OMVS a pu, évidemment, dérouler, mais voir aussi, à partir de là, donc, présenter un plan d'investissement climat, donc, décennal, 2033, et enfin, donner quelques initiatives en ce qui concerne tout simplement les projets qui sont mis en exergue. Alors, disons que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc pour donner le sommaire, maintenant pour aller directement au niveau de la vulnérabilité, le contexte, j'ai dit tout à l'heure que, évidemment, la vulnérabilité se traduit par, évidemment, les sécheresses fréquentes, les inondations récurrentes, la forte dépendance, évidemment, des populations vis-à-vis des ressources naturelles, la dégradation continue des ressources forestières, la forte croissance démographique, les institutions qui sont fragiles, mais aussi parfois des problèmes sécuritaires et populations déplacées. Alors nous disons qu'à la suite donc, tout simplement des ouvrages structurants qu'on a mis en place et un programme très ambitieux qui était le programme de gestion intégrée des ressources en eau, première phase et deuxième phase, qui nous a permis tout simplement d'aller dans le sens comment améliorer la résilience climatique. Et ceci a permis tout simplement donc d'aller dans des approches pilotes dans les États. 13 projets pilotes ont été mis en exergue au niveau des 4 pays, des 4 États membres. Parmi lesquels les interventions tournent autour de la restauration et la protection des systèmes. Nous avons aussi évidemment donc l'information hydrométéorologique qui a été mise en exergue, la promotion de pratiques innovantes. Voilà, les activités aussi génèrent des revenus, et ainsi de suite. Et ceci pour améliorer, évidemment, les capacités de résilience, donc des populations dans leur environnement. Alors, disons qu'aussi, en termes environnementaux aussi, il y a eu, évidemment, des conditions environnementales qui ont été mises en exergue à 3 niveaux, par rapport à la gestion durable des terres, donc dans le haut bassin, mais aussi la gestion des plantes aquatiques envahissantes dans le delta et des renforcements de capacités au niveau institutionnel. Donc, dans tout état de cause, il y a évidemment des résultats, comme au niveau de la gestion des terres, il y a eu une mise en œuvre, tout simplement, de stratégies efficaces de protection des sols et des ressources en eau. Au niveau, tout simplement, de la gestion des plantes aquatiques, on a abouti, tout simplement, à installer des stations d'AEP, mais aussi la formation au niveau, tout simplement, des usagers.
et en fait le renforcement de capacité au niveau tout simplement des agences nationales. Disons aussi l'autre aspect, c'est l'aspect gestion de la qualité. La gestion de la qualité, dans un premier temps, évidemment, au niveau de l'action humaine, donc l'action anthropique, qui a en réalité a eu, évidemment, provoqué une dégradation très avancée donc de l'affluent, des affluents tout simplement du bassin du fleuve, qui est la Falémée, avec tout simplement donc, des industriels, voire même évidemment donc, des activités artisanales, qui évidemment ont dégradé donc, et s'activent à l'intérieur évidemment donc de l'île tout simplement de cet affluent-là. Et ce qui a provoqué évidemment vraiment des pollutions. Mais en réalité, avec une étude qu'on a mis en exergue, ça nous a permis de proposer un plan d'action. Et un plan d'action qui en réalité va essayer tout simplement de trouver des solutions. Mais l'autre innovation est aussi de faire en sorte que, avec tout simplement les outils de gestion, avec l'approche. L'hydrologie spéciale, nous sommes encadrés par évidemment l'IRD et la participation de l'ICNES pour essayer de voir avec cet outil comment évidemment faire le suivi des surfaces d'eau et la qualité de l'eau. Et ce qui nous a permis avec tous ces résultats, donc d'aller dans le sens de mettre en place un plan d'investissement climat, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui tourne autour tout simplement de 114 mesures, donc avec un coût qui avoisine presque les 4 000 millions d'euros. Et à ce niveau-là, c'est ces deux axes principaux. D'abord, connaître les aléas climatiques, mais aussi aller dans le sens tout simplement de voir comment donc mettre en place des actions multisectorielles de lutte et de résilience face au changement climatique. Nous avons évidemment des initiatives de programme, parmi lesquelles nous avons évidemment un nouveau programme que nous avons essayé d'élaborer avec évidemment un accord de principe, la Banque mondiale qui va contribuer, mais qui sera un projet multi-bailleur, multisectoriel forcément, qui évidemment a trois composantes fondamentales, gestion et protection des ressources en eau et des écosystèmes du bassin, mais aussi développement et gestion de la navigation, qui constitue une mission régalienne, le développement et gestion des infrastructures multi-usages, donc évidemment la coordination. Disons qu'aussi, si on parle de préservation tout simplement donc, du bassin, il faut penser à la source. Et la source, évidemment, donc, du bassin du fleuve Sénégal est le massif du Fouta Diallo, qui partage ce massif avec d'autres bassins, le Niger, le Volta, qui en réalité demande une préservation des actions coordonnées avec l'ensemble tout simplement donc des organismes de bassin. Et c'est dans ce cadre-là évidemment que nous avons évidemment un réseau africain des organismes de bassin avec qui évidemment nous travaillons et l'OMVS constitue le secrétariat permanent qui travaille dans ce sens pour que quand même cette coordination puisse se faire. D'ailleurs, il y a un projet ambitieux donc avec l'AFD et l'appui de l'UIO dans le cadre tout simplement donc la dynamisation des appuis au bassin transfrontalier africain. Donc, qui en réalité qui est en cours. Donc, voilà en quelque sorte quelques projets, mais ne pas oublier aussi un projet structurant qui est le projet hydroélectrique de Koukoutamba, qui en réalité demande un accompagnement, voire même avec un coût qui avoisine $1 milliard. Et là, je crois que ça va régler beaucoup de choses par rapport tout simplement, surtout au niveau du bassin. Donc, voilà de façon un peu ramassée, un peu les initiatives, évidemment. À la suite de ça, on a mis en place et qui va être adossé par rapport au plan d'investissement, qui en réalité était évidemment adossé aussi à un schéma directeur d'aménagement et de gestion donc, des eaux horizon 2050, et qui est évidemment adossé aussi ou bien encadré par la vision de l'OMS. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais peut-être partager avec vous dans ce qui concerne tout simplement l'organisation, la mise en œuvre du Fonds Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ababakar, pour cette présentation. Et donc, en tant que secrétaire permanent du RAOB, je pense que l'OMVS a une expérience assez intéressante qu'on pourrait utiliser pour s'inspirer pour les autres organismes de bassin transfrontaliers africains. Et j'appellerai pour compléter cette expérience africaine Monsieur Nabil Ben Khatra, notre secrétaire exécutif. Merci. Je ne vais pas te présenter, je vais te laisser l'honneur, le faire tout seul. Comme ça, je pense que tu auras de meilleurs mots que les miens. Merci. Après, beaucoup, je te poserai la question. Faola, comme tu l'as déjà fait, je suis le secrétaire exécutif de l'OSS, je suis agronome et spécialiste en télédétection et système d'information géographique. Alors, pour compléter ce qui vient de dire par mon collègue de l'OMVS, je voudrais tout d'abord rappeler
que les conventions environnementales post-Rio, la convention sur la biodiversité, la convention sur la lutte contre la désertification et la convention sur les changements climatiques, partagent des objectifs communs. Si on regarde dans le détail, in fine, on parle tout d'abord de la préservation des ressources naturelles, que ce soit à travers les écosystèmes ou à travers la lutte contre la dégradation des terres ou à travers l'atténuation et l'adaptation. Et nous voyons que la question de l'eau est centrale. Donc, en regardant les trois conventions, on parle toujours de l'eau, que ce soit pour s'adapter, que ce soit pour avoir de l'eau pour les couverts végétaux pour séquestrer le carbone, que ce soit pour préserver les écosystèmes naturels. Donc, on a toujours besoin de l'eau, d'où la nécessité d'intégrer la dimension eau dans toutes les stratégies et dans tous les programmes. Donc, et de là qu'est née des approches telles que les approches Nexus. Le Nexus, par exemple, eau, énergie, sécurité alimentaire et écosystème. On en parlait hier dans le Side Event organisé par le Royaume du Maroc. Donc, c'est une approche qui permet de tenir compte des synergies qu'il faut aborder en traitant les questions environnementales. Les ressources financières sont de plus en plus rares. Les besoins sont de plus en plus croissants parce que la population croît, parce que les pressions sur les ressources naturelles sont en train de croître. Et du coup, nous avons besoin de faire ces économies d'échelle, d'une part, et de travailler d'une manière intelligente qui permet de mobiliser et de fédérer pour atteindre les objectifs escomptés. Et c'est pour cela que nous avons besoin tout d'abord d'avoir une meilleure connaissance pour bien maîtriser et bien gérer ce que nous avons. Donc l'OSS, depuis sa création, il y a maintenant une trentaine d'années, a axé son intervention sur l'amélioration de la connaissance, que ce soit sur les milieux terrestres, à travers les réseaux d'observatoires, à travers l'utilisation de la télédétection, mais également sur l'eau souterraine et l'eau de surface. Donc nous avons beaucoup travaillé à travers des programmes régionaux. On a travaillé sur le système aquifère du Sahara septentrional, on a développé des modèles, on a essayé d'estimer les prélèvements et on a essayé d'intervenir au niveau des pays pour une gestion rationnelle et concertée à travers la mise en place de mécanismes de gestion concertée entre les pays. On a travaillé également en Afrique de l'Est, sur le système du Lulumenden, et puis Lulumenden étendu au Taoudeni Tanezrouft, et donc toujours sur la promotion d'une gestion durable et d'une gestion intégrée des ressources en eau basée sur la connaissance et basée sur le savoir. Toujours dans cette lancée, on a travaillé sur le sénégalo-mauritanien à travers des financements du GEF. Donc tous ces projets-là ont été financés dans une première étape par le GEF. Et nous continuons à travailler donc à travers d'autres sources de financement. Actuellement, nous sommes, depuis quelques années maintenant, accrédités par les deux fonds climat, le fonds d'adaptation et le fonds vert pour le climat, et nous essayons de mobiliser des ressources financières pour travailler sur les questions liées à l'eau, mais toujours avec cette approche intégratrice et globale. Alors, nous avons des projets en Afrique de l'Ouest, par exemple au niveau du parc W. Arli Panjari, partagé par le Niger, le Burkina et le Bénin. Et là, nous intervenons pour réduire les pressions sur cet écosystème-là particulier qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, en essayant de réduire la pression sur ce parc en donnant aux populations riveraines les possibilités de tirer leurs sources de revenus d'autres activités alternatives, donc à travers une agriculture durable et à travers de l'élevage. Et là, la dimension eau a été cruciale et centrale, parce que pour faire cette agriculture, on a besoin de l'eau, mais également pour gérer la transhumance, on a eu l'idée de faire les points d'eau pour l'abreuvage des troupeaux au niveau des pistes que nous avons tracées. Donc on a éloigné les pistes de transhumance des zones où on voulait éviter les pressions sur les ressources naturelles. Donc l'eau peut aussi être un facteur qui nous permet de mieux gérer les ressources. Donc on a besoin de l'eau pour
gérer la ressource pour produire, pour diversifier les sources de revenus, mais également comme un facteur de gestion de l'espace. Nous avons également des projets sur la riziculture, donc financés par le Fonds d'adaptation, 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, et nous travaillons sur la réduction de la consommation de l'eau pour une riziculture donc résiliente au climat. Donc, comme vous le savez, nous avons besoin de nourrir les populations et le riz fait partie constitue vraiment l'aliment de base pour ces populations-là. Et là, nous sommes en train de travailler avec ces 13 pays-là pour développer des méthodologies et passer à l'échelle d'une production résiliente au climat. Hier, nous avons eu un side event au niveau du pavillon de l'Ouganda où on a présenté les résultats d'un projet également financé par le Fonds d'adaptation sur la gestion de l'eau pour améliorer la résilience des populations riveraines au changement climatique. Alors, dans cette région-là, la problématique du changement climatique porte sur les deux aspects. Donc, nous avons des phénomènes de glissement de terrain, des phénomènes d'inondation au sud du pays, et nous avons des phénomènes de sécheresse dans le nord du pays. Et là aussi, nous avons travaillé avec le ministère de l'Eau et de l'Environnement pour aider ces populations-là à s'adapter au changement climatique. Et les expériences donc sont multiples et nous pouvons en parler. Elles sont déjà sur le site web de l'OSS pour plus de connaissances. Alors, ce qui est important, parce que nous sommes venus ici aussi pour tirer les leçons, pour dire ce que nous avons appris de ces expériences-là, et je pense que la question tout d'abord de la donnée et de l'information reste cruciale. Donc, pour développer des projets à financer par les fonds climat, par exemple, nous avons besoin de démontrer l'origine climatique de la problématique. Et pour démontrer cela, on a besoin de données. Et souvent, dans beaucoup de pays, on n'a pas assez de recul pour démontrer le changement du climat dans ce pays-là. Et donc, il faut assurer une certaine souplesse au niveau de ces fonds-là pour tenir compte des réalités des pays africains qui ne disposent pas, malheureusement, souvent de ce patrimoine-là de données. Et il faut aussi, au niveau national, travailler pour renforcer nos systèmes d'observation et renforcer nos systèmes de production de données. Alors, il faut également adopter des approches de préservation et de restauration et d'adaptation axées sur la nature. Donc, il faut avoir cette approche-là holistique où la dimension environnementale, la dimension écologique est au centre. Donc, les populations peuvent tirer leurs revenus, bien entendu, des écosystèmes, mais nous devons aussi préserver ces écosystèmes. Donc, c'est une approche globale qu'il faut instaurer. Il faut impliquer les différents acteurs à toutes les étapes de mise en œuvre des projets, depuis la phase de conception, donc notamment les populations, mais également les structures nationales en charge de la gestion de ces projets, parce que ce sont ces institutions-là qui assureront la mise à l'échelle et qui assureront la durabilité des résultats. Donc il ne faut pas faire les choses en marge des stratégies nationales et des programmes de travail nationaux. Également, le renforcement des capacités des institutions nationales. Donc, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de pays africains, on n'a pas encore des capacités au niveau des structures nationales, des équipes et des personnes qui savent préparer un document de projet, qui savent écrire, qui savent trouver le rationnel climat, qui savent présenter les choses d'une manière bancable et présentable par ces fonds. Il y a aussi les institutions qui sont accréditantes, donc les agences de mise en œuvre au niveau national. Et là aussi, beaucoup de pays ne disposent pas d'agences de mise en œuvre du niveau national. Donc, elles se rabattent donc, sur les institutions régionales. L'OSS est là aussi pour jouer ce rôle-là. Mais souvent également, nous sommes en difficulté parce qu'on n'a pas de ressources financières nécessaires au développement de projets, nécessaires à l'incubation de ces projets. Donc, il y a des populations qui vivent des difficultés dans l'origine et le changement climatique. Donc, ils savent de quoi on parle. Ils connaissent même les solutions qu'il faut adapter. Nous avons également des institutions
qui veulent faire des choses, mais malheureusement, on ne peut pas amorcer le développement de ces projets-là parce que parfois, on n'a pas accès à des financements qui permettent justement de développer le document du projet parce qu'on a besoin d'organiser des ateliers de concertation, parce qu'on a besoin de faire des études complémentaires sur la vulnérabilité, sur le genre. Donc, il y a un certain nombre de documents et de produits qu'il faut préparer pour pouvoir présenter ces dossiers au fonds et au guichet disponible pour qu'ils soient bancables. Et malheureusement, parfois, nous sommes confrontés à l'absence de ressources et de moyens pour préparer ces études-là. Et puis également, je pense que les guichets climat doivent aussi assurer une certaine flexibilité. Nous avons également aujourd'hui avec nous notre collègue du Fonds d'adaptation que je remercie. On remercie le Fonds d'adaptation qui est l'un de nos partenaires financiers privilégiés qui nous appuie et qui nous accompagne et qui surtout nous écoute parce qu'à travers ses stratégies, donc à travers ses programmes d'action, il nous concerte, il se concerte avec nous, il nous consulte et à titre d'exemple, c'est l'OSS qui a poussé le Fonds d'adaptation à mettre en place les guichets d'envergure régionale. Donc, ça aussi, il faut saluer cette écoute-là du Fonds d'adaptation et on continue à pousser le Fonds d'adaptation et on continue à l'avoir avec nous pour tenir compte des réalités du continent africain et des réalités des pays africains. Donc, la souplesse au niveau de ces fonds-là et finalement, pourquoi pas prévoir des guichets dédiés à la question de l'eau au niveau des différents fonds climat disponibles. Donc, l'eau, nous sommes en train de l'aborder à travers ces approches holistiques, à travers des projets d'adaptation parce que l'eau est centrale, mais pourquoi pas aussi avoir des guichets dédiés à cette dimension eau. Merci. Merci beaucoup, monsieur le SE, pour cette présentation qui, finalement, nous donne un aperçu très général et qui englobe pratiquement les différents aspects sur la nécessité de l'incubation de l'idée de projet et, du coup, le titre de notre SAIDI 20 et l'initiative d'incubation des projets prend tout son sens. On a besoin d'initier les idées pour pouvoir les faire aboutir plus tard et donc on a besoin de ce petit financement, d'où la nécessité d'identification de ces projets bancables. Il y a un exemple qu'on devrait utiliser. L'exemple n'est pas africain, l'exemple est en France. Comment est-ce qu'on gère donc la ressource de l'eau par bassin? Et on a avec nous Madame Sandrine Rocard qui nous fait l'honneur d'être là. C'est notre seule femme panéliste. Moi, je la salue vraiment du fond du cœur. Je suis très honorée de l'avoir au milieu de la table entre tous ces beaux hommes. Et malgré ça, moi, je suis, c'est la seule à laquelle je vais donner un salut et une congratulation particulière. Donc, je vous donne la parole pour partager avec nous. On pourrait s'inspirer. Hein, pourquoi je ne dis pas qu'on va répliquer l'exemple français, parce qu'on ne peut pas répliquer comme ça. Hein. On s'en inspire et on l'adapte. Donc, Madame Rocard, la parole est à vous. Et je vous laisse vous présenter, alors, vos propres mots aussi. S'il vous plaît, la deuxième présentation à la régie. Merci beaucoup, Raoula. Et bonjour à tous. Et je suis ravie de partager avec vous effectivement l'expérience française, l'expérience des agences de l'eau françaises en particulier, et ce qu'on fait en matière d'adaptation au changement climatique et de financement des projets eau et climat, puisque c'était le titre de l'intervention. Alors, j'avais prévu d'intervenir en anglais, donc I switch to English now. Just a few words to begin with about water agency. What are they? What they do? The six French water agencies are state bodies that are working at the basin level in France, and our main objectives today are to preserve water resources and biodiversity in the context of climate change. So adaptation is really a priority for us. And what we do is that we offer technical advice and financial support to all stakeholders, mainly local authorities, but also industrials, farmers, associations. And we are also in charge of managing what we call the basin committees, les comités de bassin,
Basin committees are kind of small parliaments that are gathering all the stakeholders at the basin level. And they're deciding for water policy measures and financing at the basin level. So as I said, adaptation at the basin level has become a major topic for us, for the water agency, because water, everybody knows, is the main marker of climate change. And from our perspective, adapting to climate change is mainly about adapting to a modified water cycle. So in 2015, may we have the next slides if possible? In 2015 at COP21, In COP21, the French Water Agency signed the Paris Pact on Water and Adaptation to Climate Change in the basins of rivers, lakes, and aquifers. And after that, a climate change adaptation strategy was adopted by each basin committee. So it was in December 2016 for the Seine Basin, and it was adjusted very recently in October 2023 to make this strategy even more operational and try each territory to adapt to climate change with very practical guidelines for stakeholders. So for us, these strategies are a necessary framework for the basin for the incubation of water and climate projects. And the main objectives of our strategy for the Seine Normandy Basin have been confirmed this year through the revision of the strategy. The first one is reducing water dependency. That is to say, try and achieve water savings, promote water sobriety for all users of the basin to prepare for water scarcity, an increasing water scarcity. And in the strategy this year, we have fixed some quantitative targets to be reached for the reduction of water withdrawals in all surface water and groundwaters for the main users between 2019 and 2030. So these quantitative objectives, I can quote them, is minus 14% of withdrawals for the domestic sector, minus 4% for industry, and a stability for agriculture. The second objective is preserving water quality, because we consider both quantitative and qualitative dimensions of the problem, of the water problem, at the same time for an integrated water management. We have special objectives linked to our coastline, which is anticipating the consequences of coastal erosion and sea level rise in France. Preserving biodiversity and ecosystem services, because a proper functioning of ecosystems is a condition for resilience and allows nature-based adaptation solutions, as was quoted previously, to be designed, like a restoration of wetlands that can help restore water during summer, for example. Another important objective is to increase infiltration, promote the natural filling of groundwaters, which are really our water treasures, because they're not subject to evaporation, and that will increase with the increase of temperature. So groundwater, combating vulnerability to heat waves also, mainly by bringing nature in the cities particularly, or by allowing, for example, citizens to bathe in rivers, not only for the Paris Olympic Games. It's one of our objectives, but it's not the only one. And the last objective is a kind of transverse one. It's supporting stakeholders for profound behavioral changes that are needed in terms of adaptation to climate change. So this strategy tries to provide guidelines and tools, practical tools for local actors, local action, for each of the main objectives I have talked about. Because one of the major challenges is to transform these orientation guidelines into concrete projects, actions, and that can only be done in our territories within the basin at the sub-basin level. And now I would like to share different principles of action that we have and that seem important for the incubation and the implementation of water climate projects at the local level. And it's pretty much the same principle as those that were described by the previous speaker, in fact, so I'm happy to see it. To our mind, all these local plans and these solutions have to be built collectively.
collectively shared, agreed with all stakeholders from the beginning. And so it means that a good governance is needed where you can gather all local stakeholders at the same table. These plans, these solutions also have to be based on science and an improved knowledge, a shared knowledge of the evolution of our water resources and of the water cycle. It seems to be obvious, but sometimes scientific results or studies can be discussed or even misused locally, so it's an important point. And in terms of adaptation solutions, the priority should be put, in our basin at least, on water sobriety for all sectors, the reduction of the demand of water, and mainly on nature-based solution, on multifunctional solutions, that is to say solutions that have multiple benefits for biodiversity, for water, for health, for climate change mitigation also, and of course try and avoid a misadaptation solution as described by the IPCC. So these are just a few principles. And now, how is all this financed? In fact, the water agency's system in France is in itself a financial model, a financial system, because what we do is we collect taxes, what we call redevances, we collect taxes on all water users in the basin, taxes which are our main financial resource. We don't have any governmental funding, in fact, for our agency. So we collect taxes on users, and with these taxes, we grant subsidies for projects that are developed to preserve water resources or ecosystems, drinking water supply, etc., etc. And we estimate that around a half of our subsidies for the Seine-Normandie Basin goes to climate adaptation projects. Recently, just to quote recently, there has been an acceleration in governmental policy concerning water and an enhancing of the financial capacity of water agencies. And we're in charge of two measures of a new green fund, which was created in France in 2023, which is a public financial tool for ecological transition in general. And we are also the main operators of the National Water Plan, obviously, that was adopted in March 2023. That was announced by President Macron. And this plan means additional resources for the agencies, additional tax resources, the taxes I've talked about, to try and scale up actions for climate adaptation in particular. Now, I just maybe very briefly give you a few examples of water and climate projects that have been financed by the agency. It's just a quick glimpse on the diversity of the projects that we can finance. I won't give any too many details. The first project is called Bassan 2050 project, and it addresses different subjects. Anticipation of coastal erosion, addresses the risk of marine submersion, flood risk, in Normandy, and at the same time it try and restores biodiversity in this area with the natural reconnection of a river, the Seine, to the sea in particular. So it's one example of project that we have financed, that my agency has financed. The second example is about water sobriety in industry. So completely different fields. And the aim of the project is to reduce water dependency in sugar production from beets. And the main solution is recycling of the processed waters. And the objective of the industrial, which is Cristal Union, is to ensure its own water supply with no external water for all its facilities in 2030. So it's a great challenge for the for this industry that they're about to achieve. The third example is in agriculture, which proves to be a very important sector in which adaptation has to be achieved. And it's an original system of payment. It's called a payment for environmental services.
and it's on a water catchment area in Normandy, and it addresses particularly water quality issues. But we have developed these kind of payments for other environmental services that are rendered by farmers, like planting hedges, for example, or maintaining grasslands or other types of projects. And my last example in France is based on nature. And it's an urban forest in Paris, which is a project in Paris, in 15th arrondissement. And the key benefits of the projects are obviously cooling of the city, carbon capture also, and biodiversity preservation. And so now I come to my last point, and I would like to stress that as part of our international cooperation projects, the water agencies in France support projects that contribute to climate change adaptation in foreign countries, and in Africa in particular. And we have been mobilized in particular on one initiative, which is called 100 Water and Climate Projects for Africa, an initiative that was launched during the first One Planet Summit in 2017. And we have contributed over 5 years to the incubation and implementation of water and climate projects, particularly in the Sahel region, very arid region. In fact, we regularly provide technical and financial support for institutional cooperations with the organizations in charge of water resources management at the basin scale. And within this framework of institutional cooperation, we were able to identify in some basins the vulnerabilities with regard to climate change and the measures that could be relevant in these territories. And that's why we ended up with 13 projects financed over 5 years in different countries that are listed here. Thank you for your attention. Thank you so much, Sandrine, for this excellent presentation and this very interesting experience. So what I can capture like keywords is integrated approaches, a robust financing system, then multifunctional solutions. Then there is this diversification of projects all around water topic. I think that to manage water, we need to include many other aspects around. We can't take it just as a standalone topic. And so I thank all the panelists for their very valuable inputs and this great session. And I will start with this, the second session, where we will discuss and talk about Project Donors, because we've been just giving ideas, but to implement ideas, we need money. So I will start with Mr. Lenskor, who's Principal Water Resource Specialist and Agriculture, Nature, Food and Rural Development Sector Office from the Asian Development Bank. The floor is yours. Yeah, thank you. Thank you so much. Good afternoon or good morning. Good afternoon. It tells me on my watch. Yes, as you mentioned, my name is Lance Gore. I'm a Principal Water Resources Specialist with the Asian Development Bank. Firstly, I'd just like to thank the International Network of River Basins, World Water Council, and the Sahel Observatory for inviting us to join this session. I'm very happy to see that water is now becoming a key subject under the climate change agenda. It's been, I think, something that hasn't been discussed over the previous COPs, and it's now coming to the forefront. And I think we're probably all water resource specialists in some capacity in this room, and we're all probably know that water is really how climate change manifests itself, I think, with our communities and our environment. I'm not sure how familiar people are with the Asian Development Bank. We are a multilateral development bank. We're headquartered in the Philippines. We have 68 member countries all over the world, 48 of them in the region. I'm from one of them. I'm from New Zealand, even though I live in the Philippines and have been living in Asia for the last 20 years. Primarily, my background has been working in Asia for those 20 years, but I also did
have the privilege of working in Sudan for a number of months looking at hydrology and irrigation projects on the Nile and the Atbara River. So I have a little bit of exposure to North Africa, and I wish I could have more. And unfortunately, my agency doesn't extend that far. Maybe one day it will. Let's see. We'll have to change our name first. So ADB has recently gone through a transformation this year. We've reorganized ourselves, really with the intent of focusing us as the climate bank in the region. It's really the central driver to our projects and programs and how we work with our developing member countries. We have a $100 billion lending target until 2030, focused only on climate projects. We are progressing quite well with achieving that target. The target is for both adaptation and mitigation projects. Just this year, we initiated a financing facility for climate in the Asia Pacific regions called IFCAP that will allow us to move from lending on average $20-25 billion a year to now $30-35 billion a year, with the intent that the additional $10 billion a year will be focused on climate adaptation and mitigation projects. And we've reorganized ourselves. Previously, we were focused more on regions. We have five regions: the Pacific, East Asia, Southeast, Central West, and South Asia. We've now reorganized ourselves so that we, along sectoral lines rather than regional, we still have the regions, but now, previously, the sectoral groups were split up across those regional departments, but that just meant that we had sort of kind of fragmented and scattered staff. We've consolidated them now under the sector groups. My particular sector is called agriculture, food, nature, rural development, and our sector group is primarily responsible for river basin management, water productivity, irrigation, modernization, coastal protection, riparian flood management, flood risk management. We also have another department called Water and Urban Development. They focus on water treatment, sanitation, and urban areas. And one of my particular roles is that I'm one of the bridge people that link these two departments to make sure that we still develop integrated approaches. ADB is a lender. We're not just a lender, we also provide technical assistance. We bring in experts to support our developing member countries as they require. We like to get involved in projects at the very upstream level of project planning, identification, planning, development, lending, monitoring during implementation, post-completion evaluation. And then to also, we take a long-term approach. We have regular country partnership strategies, which we look at long-term thematic and sectoral agendas with those countries. And of course, climate change is now prominent in all those country partnership strategies, and that really guides the direction of the programs, the projects that then come out of those country partnership strategies. In terms of, because this is a river basin aspect, so I can talk about a little bit about the work that we've done there. We have a couple of very good examples in China, on the Yangtze and the Yellow Rivers. We have ecological corridor projects and on both of those projects. And these was really looking at, these started a few years ago where we would work with the government to look at what they've been doing in the river basins and then seeing where the linkages and the gaps are and where the overlaps, and then trying to help coordinate amongst those people. Now, and China is quite developed and advanced, and so really it was a case of working with them and seeing where the opportunities are to make sure that, you know, if something's happening in the upstream or the downstream, it's well coordinated, it's known about the people, main stakeholders and decision makers we're talking,
and then seeing what could be done to address some of the issues that those river basins have. Just through this initiative, it's really helped to mobilize a lot of additional financing for those two river basins. I think for one of them, I think the Yangtze River Basin, it's mobilized an additional $4 billion and created initiatives such like sponge-like cities, sponge cities and that river basin, plus also looking at agriculture, irrigation, and flood management. So that's an example from China. In India, I've been working with one of the states there where we got upstream in the policy work. The state has now just launched its and promulgated its state water policy in India. I don't know if anyone's worked in India, but water resources in India is really a state's subject. So there's transboundary issues within the country across the states. The states are very protective of what resources they have available. We've just managed to have this water policy promulgated. It's very nice and modern. It's based on IWRM principles. And from that, we're also working with the state to do comprehensive data collection, water accounting, river basin modeling, allocation models. We're establishing river basin organizations, not necessarily as a standalone organization, but putting in the framework where all the, I think there's something like 17, in that particular state, there's 17 different government agencies which are responsible for, in some way, with water, whether they're using it or disposing into it. So really it was providing a framework for all those government agencies as well as the local communities and stakeholders and non-government organizations to be able to come together and talk and say what are the issues in our river basin, what do we need to do? And part of our project, and this is forms both technical assistance and loan, was that we invested in new hydromet stations throughout the river basin. We've developed a water resources information system so that all this conversation about with the stakeholders in the river basin could be based on the actual facts and models that we had with that. And this is now leading on to a number of investments. And for India, but I think this applies to a lot of sort of semi-dry countries and countries located around the equator, which really have monsoonal weather patterns, is that and agrarian societies, is that irrigated agriculture consumes the bulk of water, freshwater withdrawals. I think in India, it's anywhere from 80 to 90% of freshwater withdrawals is taken up by the irrigated agriculture. So, it's challenging to tackle all the issues in a river basin at once, but if you're talking about water security, and if these river basins are dominated by irrigated agriculture, then the lowest hanging fruit is really to try and do something with those irrigation systems. A lot of them were designed and implemented many years ago, in some cases hundreds of years ago. I have one project where we're modernizing a 600-year-old irrigation system. They've done well to keep it maintained and operating that long, but it really needs some help. Some of these river irrigation systems, some of them they cover a million hectares. I mean, they're massive. Some of them were built only 10 years ago, but they still now they need modernization because they weren't really, they may have been built 10 years ago, but they were initially planned probably 30 years ago. Designs were done 20 years ago. Probably designed in an era of the state or country when they didn't really have good hydrological data, hydrological archives. So now with new modern technologies, with the remote sensing, and so forth, we can really add value to those river basins. Those irrigation systems. So we have a large program now in many of our countries where we're looking at irrigation modernization, bringing in the latest best practices globally and locally to improve the infrastructure themselves, but also the entire systems revolving around those irrigation projects. So the institutions that run them, how they're financed, how they manage their water resources, how they control the water through their systems, assessing whether these systems really meet the needs of the farmers, thinking about what the needs of the farmers are, what they're growing, what they should be growing, what's the market needs. So we link the farmers with the markets. We encourage the farmers to look at
better on-farm water practices such as, you know, alternate wetting and drying, SRI, moving to micro or precise irrigation. But these, when you look at it this way, you're not, you can't just say, here farmer, have a drip irrigation system. You know, that's all you need and we'll save so much percentage of water. If they don't have the upstream infrastructure and then the whole value chain support system with that infrastructure, then it's only going to last for one season and then the farm will discard it and they'll go back to doing what the practices they were doing previously. So we try and put everything in the project designs with the government officials. We try to look at all those kind of aspects and then hopefully that leads to a successful project. And you know, if an irrigation system can improve its water use efficiency by 10 or 20%, that is significant benefits to the rest of the river basin, both for the other water users within the river basin, but also for the environment and the natural capital of the river basin. Some of the challenges that we face, of course, is that irrigation infrastructure in many countries is really a social asset. It's subject purely to government funding for its operation and maintenance, and governments have very temporal changes in what their priorities are for spending their limited financial resources. So unfortunately, these systems don't get the attention they deserve when they become, when it comes to operation and maintenance and management financing. I think this is where we need to look at alternative methods, because we see so many projects which we invested in maybe two or three decades ago, they're coming back to us and they're asking us to now rehabilitate or modernize it. And had they just been maintained at a fraction of the cost for the last 10 or 20 years, then they wouldn't be coming back and needing that. So innovative ways to look at how do we finance something like that would be, you know, is there something like user pays for a start, you know, if farmers were to pay for the service, that would be a good start. The benefits of having an irrigation system that you know, is actually maximizing its water productivity and water use efficiency means, and meaning there's more water in the basin, means that the downstream town will benefit from more assured and reliable water supply. So maybe that town can also contribute some payment transfers to improving the upstream irrigation systems. You know, it's a little bit like payment for ecosystem services, I guess, up in the upper catchment. You know, is there a role there for privacy if there's large industries on the river basin? You know, a number of the river basins we have in South Asia, they have international garment companies in them, either relying on the crops for their supply chain, or they actually have factories there or whatever. Maybe some of these international garment or beverage companies can also support with improving, you know, paying a very, very small fee that would have a substantial impact. So there's some things to be looked at. There's also carbon markets, the farmers providing a benefit for carbon sequestration, carbon sinks, and so forth. So we get involved in kind of all those aspects. I can keep talking, yeah, or not. All right. Well, just one interesting project that I was part of the architect for, and is now under implementation. This is the Mahawali Water Security Investment Program in Sri Lanka. So I don't know if everyone knows Sri Lanka, a small island off the coast of India. Very wet in the south, very dry in the north, east, and west. The south is mountainous. They get two monsoon seasons a year. The rest of the country gets maybe one if it's lucky. Over thousands of years, they've built thousands of small tanks and reservoirs which really benefited local communities and farms and so forth, and that's really how the country's managed to develop itself. They have one prominent river basin called the Mahawali River Basin, and that receives this two monsoons a year. A lot of that water flows off into the ocean and is unused, and there was a king about 1,000 years ago proclaimed that, you know, no drop of water will go to the ocean unused. So this program that we're investing, it's a multi-decade program, multi-billion dollar program that we're investing with the government, is to tap in the excess flows within that river basin
and then putting in the main backbone plumbing system to be able to deliver that water to all the existing tanks and storages. So without, there are a few dams and so forth involved in it because it has to be to get the water to where it is, but most of it's canals and tunnels and so forth. You know, just by providing that backbone system, we're actually managing to provide the rest of the country with an assured water supply throughout the year. And so quite an elegant solution to some of the problems that these dry areas face by really optimising the existing storages that they already have. So we're not having to displace people or affect environment with all building lots of new dams and lots of new storages and so forth. We're really just feeding into those. And on top of the agricultural benefits, you know, these tanks also supply major towns and villages. They supply local communities, and some of those communities have faced severe chronic kidney disease because they have to rely on groundwater up until this project, and now they're getting fresh rainwater and also hydropower benefits because it means that the country can now optimise its hydropower generation as well. So that's just one nice example I'd like to share with you. I'm happy to talk more, and if you'd like to talk to me afterwards, do please come up and say hello. Thank you. Thank you. Thank you so much. So I can also notice that it's not only a matter of investing, then having projects ongoing, it's also operating and maintenance later is a challenge. So we need to incubate, but at the same time think about what will happen later on. So thank you so much for sharing the Asian experience. And our last but not least panelist, also from Adona side, inviting Mr. Mohammad Abakar Suyuti from the Adaptation Fund. And I have like two questions. Over the last 15 years, the Adaptation Fund has been funding projects in over 100 countries, including many projects in water sector, which is almost 30% of your portfolio, maybe more. Can you elaborate on the opportunities and challenges in funding adaptation projects in the water sector and mainly in transboundary bodies? And also, can you speak about the area of support in the incubation, actually? How? The floor is yours. Merci, Raoula. Je vais m'exprimer en français. Merci pour l'invitation. Merci à l'OSS, à le RIOP et le World Water Council pour l'invitation. Comme tu le disais, le fonds d'adaptation est un fonds qui a été mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto. Et depuis 16 ans, on intervient dans une centaine de pays. Le portefeuille à ce jour, il est d'à peu près 1,3 milliard de dollars. Et c'est un fonds qui marche avec une approche pays. C'est les pays qui décident de ce qu'ils amènent comme projet d'adaptation chez nous. Donc on n'a pas une approche sectorielle ou une priorisation des questions d'adaptation. Donc on finance les priorités que les pays aimeraient bien qu'on finance. L'une des spécificités du fonds d'adaptation, c'est qu'on travaille avec des entités nationales. Donc on priorise l'accès direct. Donc c'est quelque chose qu'on a piloté dès le départ et certains de nos collègues des autres fonds ont repris ça, notamment le Fonds vert pour le climat. On a la chance d'avoir au Maroc, donc Son Excellence, Monsieur le Ministre, je lui dirais qu'on a une entité nationale au Maroc qui est accréditée, l'Agence pour le développement agricole, avec laquelle on a déjà un projet qui arrive à échéance. Les pays ont accès à un montant de financement qu'ils peuvent utiliser pour financer des actions d'adaptation. Donc, par exemple, au Maroc, on travaille dans les zones oisiennes. J'étais dans le pavillon marocain il y a quelques jours plutôt, pour discuter des résultats de ce projet. Voilà. Pardon. Alors, pour répondre à ta question, Khaoula, donc aussi, au risque de me répéter, je dirais que le secteur de l'eau se retrouve un peu important dans notre portefeuille, pas seulement parce qu'on le priorise, mais c'est parce que les questions d'adaptation sur le continent africain touchent d'une façon ou d'une autre l'eau. Donc, nos interventions ne sont pas forcément des interventions spécifiques au secteur de l'eau, mais la plupart des interventions qu'on finance
traite des questions de l'eau. Donc aussi bien lutte contre la désertification, mais aussi par exemple aider les populations à mieux gérer les ressources en eau. À ce jour, on a financé des secteurs productifs comme l'agriculture, la gestion des ressources en eau, par exemple l'adduction d'eau potable, par exemple. Mais aussi, on a financé des projets dans les early warning systems, donc les systèmes d'alerte précoce qui sont importantes en matière de résilience. Donc, tout ça mis ensemble fait que le portefeuille en lien avec l'eau est assez important. Alors, le fonds d'adaptation est, le seul fonds qui a une fenêtre actuellement qui est dédiée aux questions d'adaptation multi-secteur et multi-pays, donc régional. C'est une fenêtre qui est hors de l'allocation nationale. Donc, les pays peuvent accéder à cette fenêtre pour financer des projets qui ont une portée régionale. Et on finance à hauteur de 14 millions de dollars. Donc, c'est le montant maximum par projet. La seule conditionnalité, c'est que le projet qu'on finance doit toucher au moins deux pays et qu'il doit être mis en œuvre par une entité qui est régionale, vu que le projet couvre plus d'un pays. L'autre conditionnalité, c'est que le projet doit répondre à un besoin d'adaptation, parce que parfois, les questions régionales ne sont pas seulement des questions d'adaptation. Donc, il faudrait qu'il y ait ce rationnel climat qui est derrière ce projet. À ce jour, on a financé à peu près 200 millions de dollars dans cette fenêtre régionale. La fenêtre a été mise en place en 2005 comme une fenêtre pilote. Le montant maximum à l'époque, c'était juste 60 millions de dollars. Mais vu que les questions d'adaptation au niveau régional sont plus importantes, le conseil d'administration a étendu cette fenêtre à un montant qui n'est plus maintenant fixe, mais qui dépend de ce qu'on reçoit comme contribution des pays donateurs. Donc le montant de 200 millions de dollars, il n'est pas fixe. Il peut aller jusqu'à à hauteur de ce qu'on reçoit. Alors, peut-être pour parler des challenges, je dirais que les challenges qu'on a pour financer les projets dans le secteur de l'eau ne sont pas seulement spécifiques au secteur de l'eau. Certains sont spécifiques, mais je vais peut-être commencer par les défis qui sont plus généraux. L'un des défis qu'on a, c'est la mobilisation des ressources financières. Comme vous le savez, le fonds d'adaptation n'est pas un fonds qui a un mécanisme de replenishment, de renflouement. Et on se base on dépend de ce que les donateurs nous donnent chaque année. Donc, il y a quelques jours, on a eu notre réunion de contributeurs où on a mobilisé à peu près 160 millions de dollars, qui est en dessous de notre target, de notre objectif annuel qui était de 300 millions de dollars. Et on remercie hein, les donateurs, notamment par exemple la France qui a aussi fait une contribution. Mais ça, c'est le principal défi qu'on a en matière de financement de l'adaptation. Maintenant, le deuxième défi qui est un peu plus transversal aussi, c'est aussi la capacité des pays à ramener au fonds d'adaptation des projets qui sont prêts à être financés. Je ne veux pas être dans la rhétorique en disant qu'il n'y a pas de capacités au niveau des pays, mais les capacités en termes de structuration, et ce que Nabil disait dans son discours tout à l'heure, la capacité de structuration des projets est réelle. Hein. Et grâce à nos entités nationales et régionales et multilatérales, on arrive à rehausser cette capacité au niveau du pays. Donc, par exemple, au Maroc, avec l'ADA, on a maintenant... L'ADA a commencé à travailler avec nous depuis quelques années, donc ils ont maintenant cette capacité de structurer des projets. Mais cette capacité n'existe pas dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'entité nationale. Et dans des pays comme ça, l'OSS, par exemple, permet de les aider à structurer des projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel. Alors, le fonds d'adaptation a un programme Readiness qui permet à ces pays d'avoir cette capacité. Le fonds de Readiness, il est assez modeste, mais ça permet, par exemple, à un pays de nominer une entité et de la faire accréditer.
Et ensuite, il y a un fonds de préparation du projet qui existe. Alors, là, malheureusement, je dirais, c'est que ce fonds de préparation ne peut être mobilisé qu'une fois que le projet ait déjà été présenté au conseil d'administration. Donc, ce n'est pas un fonds d'incubation. Donc, avant que le projet n'arrive chez nous, on n'a pas de fonds de préparation. Et peut-être c'est quelque chose auquel on va essayer de réfléchir. Maintenant, les quelques défis qu'on a sur le secteur de l'eau, le premier, c'est que les thématiques d'adaptation dans le secteur de l'eau ne sont pas forcément la priorité de certains pays quand il s'agit des besoins urgents d'adaptation. Le mandat qu'on a, c'est de financer des activités concrètes d'adaptation. Et souvent, les pays, quand ils entendent activités concrètes, ben, dans leur conception, c'est un peu des infrastructures. Voilà. Et parfois, les questions de l'eau ne sont pas forcément des questions qui peuvent être traitées par faire un petit barrage ou pas. Parfois, c'est des questions qui vont au-delà des infrastructures. Le deuxième problème qu'on a, et peut-être le défi qui est le plus important dans le secteur de l'eau, et notamment dans les questions transfrontalières, c'est que il n'y a pas beaucoup de coopération entre pays quand il s'agit des questions d'eau. La plupart de nos projets qui ont vu le jour dans un contexte transfrontalier, c'est quand il y a un organisme de bassin. Et cet organisme de bassin permet de fédérer les défis d'adaptation dans le secteur de l'eau. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas encore d'organisme de bassin. Et c'est pourquoi je salue le travail qui est fait par le RIOB. Donc, s'il n'y a pas d'organisme de bassin, les questions transfrontalières se retrouvent être des questions nationales. Et parfois, on a des ressources en eau qui ne connaissent pas de frontières. Donc, quand un pays s'occupe des questions de l'eau de par la frontière, l'impact bénéficie à l'autre, le bénéfice va de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est un défi qu'on a. Bien que la fenêtre régionale ne fait pas partie de l'allocation nationale, on a encore du mal à convaincre le pays de s'associer à traiter certaines questions au niveau régional. Juste un dernier point, et je vais m'arrêter là. Nos financements sont très modestes. Donc le portefeuille, il est d'à peu près 1,3 milliard. Les demandes ou les besoins d'adaptation vont au-delà de ce qu'on peut mobiliser. Et la seule façon pour nous de faire en sorte que nos financements, et surtout dans le secteur de l'eau, aient un impact au-delà de nos financements, c'est de travailler en partenariat avec les autres partenaires. Et avec les autres fonds climat, notamment le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'environnement mondial, on a un cadre de partenariat qui permet à certains pays, par exemple, qui ont déjà accédé à nos financements, de pouvoir mettre à l'échelle ce projet quand ça marche. Donc là, hier, j'étais avec Nabil au pavillon ougandais et on a été très contents d'apprendre que l'Ouganda souhaitait mettre à l'échelle un projet qui était financé par le fonds d'adaptation avec un financement un peu plus conséquent du Fonds vert pour le climat. Donc moi, j'encouragerais les autres pays à faire de même. Par exemple, un projet qu'on a financé par exemple, au Maroc avec les zones oasiennes, il peut être mis à l'échelle par nos financements, mais aussi par des autres partenaires. Comme ça, vous pouvez accélérer le processus d'instruction parce qu'il n'y a pas besoin de restructurer encore le projet. Voilà, je vais m'arrêter là. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci infiniment, Mahamat, pour la présentation et surtout pour d'avoir partagé surtout les challenges. Et on voit très bien que les organismes de bassin sont nécessaires aussi et appuient pour la mobilisation de financement, parce que la ressource eau nous est vraiment très chère. Et étant égoïste un peu chacun de son côté, les pays ont tendance à ne pas vouloir donner les informations. Et si on a un organisme qui arrive à gérer le partage de l'information, le partage de la connaissance sur la ressource, on sera capable de mobiliser des financements à l'échelle régionale. Et voilà, donc on arrive à la fin de la session du panel. Donc je remercie infiniment. Les échanges étaient très, très intéressants. Moi, j'ai en tête beaucoup de questions, mais je ne vais pas les poser. Je vais laisser la parole aux participants. Donc peut-être encore, on applaudit nos chers panélistes. Et il nous reste une dizaine de minutes, donc si vous avez quelques questions, moi je profiterai. Hein. Donc, qui a une question ? Yes.
Nigeria. Thank you so much. Can you just stand, please, so we can see you? Okay. My name is Usman Muhammad. I'm from the Center for Renewable Energy and Action on Climate Change, an NGO based in Nigeria. My question goes to the first speaker, the first panelist. You made mention of a hydro project that could possibly be established in either Mali or Senegal. I can't remember, but is there like a way to have an agreement among those three countries to avoid some frictions? Also, are there ways to control issues of biodiversity and other ecosystems that could be lost due to creation of these dams, and also issues of like sustainable irrigation system that is climate resilient and also contributes towards a more balanced in terms of ecosystem and also nature-based solutions that will bring more solutions to a sustainable future. Thank you. So we'll take three questions, then back to the panel to respond. Then we'll do another round. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Madame Sangare Fatoumata, point focal du Fonds d'adaptation pour la Guinée. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Mahamat, que j'ai bien écouté. Et je profite d'ailleurs pour féliciter et remercier tous les panélistes pour les brillants exposés qu'ils nous ont offerts ici. Alors, ma question, et tout à l'heure, Monsieur Mahamat a touché la question du financement parallèle, c'est-à-dire fonds d'adaptation, fonds vert climat. Donc, moi, je voudrais avoir un peu... J'aimerais qu'il nous explicite un peu là-dessus, parce que je n'ai pas compris. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'un financement complémentaire, c'est-à-dire du fonds d'adaptation pour le fonds vert, ou bien on peut soumettre des demandes parallèlement aux deux mécanismes financiers? J'ai une nuance, je voudrais que vous me le leviez. Merci. Ah, je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Moi, je m'appelle Kadiata Mari Diallo, je suis le point focal national de la Convention de désertification en République de Guinée. Donc, ma question s'adresse aux représentants de l'Observatoire du Sahara et du Sahel ici présent et aux représentants du Fonds d'adaptation, puisque j'ai eu la chance de me faire accompagner déjà par le point focal Fonds d'adaptation pour la République de Guinée. Donc, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a possibilité, avec l'appui de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, qui est déjà accrédité, une institution accréditée auprès des deux fonds, fonds vert climat et fonds d'adaptation, pour vraiment appuyer le gouvernement guinéen au cofinancement du projet d'adaptation au changement climatique qui est en train d'être développé avec l'appui du mécanisme mondial de la Convention de désertification et comme agence d'exécution déjà identifiée, le PNUD. Déjà, nous avons obtenu un fonds de 20 millions de dollars avec le fonds pour les pays les moins avancés. Donc, la lettre d'endossement de choses a été envoyée déjà avec l'appui du point focal opérationnel du FEM Guinée au secrétariat de la Convention, au secrétariat du FEM pour le fonds pour les pays les moins avancés. Ça, c'est déjà acquis. Le développement du projet est en cours avec l'appui du PNUD Guinée. Donc, nous sollicitons des fonds complémentaires et supplémentaires auprès des deux fonds vert climat et fonds d'adaptation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on a 5 questions pratiquement. Donc, certaines sont combinées. Donc, on va commencer par Monsieur Ababakar. Comme ça, vous répondez à la première question. Après Nabil et après Mahamat. Merci. Voilà, merci beaucoup pour la question de Ousmane Mohamed. Je crois que c'est important, évidemment, donc d'expliquer un peu donc, cet outil de suivi par rapport à l'évolution donc, du fleuve. L'hydrologie spatiale, évidemment, un outil qui utilise en réalité donc, les satellites
pour pouvoir faire à deux niveaux le suivi donc de l'état de l'environnement de façon globale, avec peut-être les plantes envahissantes, dont par exemple le typha qui est problématique au niveau donc du delta du fleuve Sénégal, mais voir aussi comment sur la qualité, hein, donc le débit et l'écoulement. Tout ça, évidemment, donc l'hydrospatial nous permet de, évidemment, de donner évidemment donc des données là-dessus. Alors il faut se dire que c'est un projet qui est en cours. Et nous travaillons avec l'Institut de la Recherche et Développement, donc l'IRD, avec ICNES, qui en réalité, donc nous sommes au début de ce projet-là et nous osons espérer qu'évidemment ça va nous aider, hein, tout simplement à prendre en charge tout simplement cette problématique. Alors disons qu'au niveau tout simplement donc, de l'OMVS, nous sommes chargés évidemment de suivre évidemment donc l'état du bassin du fleuve. En confaisant, donc chaque année, nous essayons de mettre en exergue un rapport tout simplement donc de suivi de l'état de l'environnement avec l'ensemble des agences qui existent au niveau des quatre pays. Donc des données sont collectées et analysées pour voir comment, avec des recommandations, qu'on puisse essayer de trouver des solutions à cela. Donc voilà comment nous essayons de mettre en exergue, mais sans oublier aussi évidemment les actions anthropiques, parce que je l'ai dit dans ma présentation, l'humain parfois aussi évidemment provoque un peu dans le cadre de la préservation donc tout simplement donc du bassin, en essayant donc de mettre au devant des activités minières au détriment d'autres activités, et qui porte préjudice tout simplement à la préservation tout simplement donc de l'écoulement des eaux. Donc tout ça, je crois que ça nous permet donc de façon globale comment évidemment voir l'évolution donc progressive tout simplement du bassin de fleuve. Merci beaucoup. Nabil. Alors par rapport à la question de notre ami de la Guinée, je confirme encore une fois notre volonté à collaborer ensemble. Nous avons déjà tenu une réunion lors de cette COP dans vos locaux, dans votre pavillon, où l'OSS a montré son intérêt à accompagner votre pays dans le développement de requêtes pour des financements climat. Il faut également peut-être rappeler à tous les collègues que les entités de mise en œuvre ont ce qu'on appelle un work program, ont un programme de travail avec les bailleurs de fonds, par exemple avec le fonds d'adaptation, avec le fonds vert. Donc nous préparons annuellement une sorte de planification sur les projets prioritaires que nous allons leur présenter, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de le savoir pour la préparation des moyens financiers disponibles. Et donc, nous, comment on fait ? Pour prioriser un projet, nous allons voir son niveau de maturité. Donc, plus la demande nous vient bien fournie, avec tous les argumentaires, avec le bon format, et mieux nous allons la traiter et accélérer sa présentation au fonds d'adaptation. Il faut également rappeler qu'il faut toujours passer par le point focal. Donc si nous recevons des propositions qui ont déjà reçu la validation du point focal national, donc ça nous aide à aller plus rapidement et inscrire réellement les activités que vous proposez dans notre programme de travail. Merci. Merci pour les questions. Pardon. Juste rapidement, donc Fatoumata, le scaling up framework, donc le cadre de mise à l'échelle, il a vu le jour suite à un constat comme quoi les pays approchent par exemple un des fonds pour financer un projet qui a été déjà financé par l'un des fonds. Et ça se faisait de façon opportuniste. Et comme nous, on n'était pas au courant que l'un des fonds avait déjà financé le projet, on se permettait de redemander les mêmes critères et les instructions qui ne devraient pas vraiment être des nouveaux critères parce que le projet a été déjà financé. Donc pour faciliter aux pays cet accès au financement, on s'est mis ensemble pour définir un cadre de mise à l'échelle. Il y a des critères qu'on applique pour identifier quel est le projet qui a un potentiel de mise à l'échelle. Ce n'est pas des critères d'allocation des ressources, juste pour être clair. Ce n'est pas un critère qu'on utilise pour conditionner l'accès au financement. Mais c'est juste des critères qui nous permettent, par exemple, de dire que ce projet a plus de potentiel qu'un autre pour accéder à un financement pour la mise à l'échelle. L'un des critères, c'est qu'il faut s'assurer que le projet a quand même délivré des résultats concrets et satisfaisants. Sinon, il n'y a pas besoin de le mettre à l'échelle. Et le deuxième, c'est que le projet doit arriver à une étape de mise en œuvre qui est assez avancée pour pouvoir le mettre à l'échelle. Sinon,
c'est pas important. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors le process, c'est que une fois que vous voyez que ce projet peut être mis à l'échelle, vous approchez le fonds qui l'a financé, qui ensuite confirme avec le fonds vert pour le climat, par exemple le fonds d'adaptation, et ensuite on passe à l'instruction. Et une des choses qu'on ne va pas refaire, c'est par exemple les évaluations environnementales et sociales. Si le projet va dupliquer les mêmes activités, on ne va pas vous redemander de faire ça. La question par rapport au projet, par exemple, par rapport au Global Mechanism de UNCCD, encore une fois, c'est vous qui décidez. Enfin, le projet, si vous pensez qu'il est déjà instruit avec le LDCF et que vous pouvez mobiliser des financements chez nous pour pouvoir le complémenter, bah, c'est à vous de décider. Il faut juste nous approcher avec l'aide d'adossement du pont focal et on devrait pouvoir le faire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vois que les réponses, moi en tout cas, elles sont satisfaisantes. Et on va peut-être prendre juste une dernière question parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Et last question. Okay. But very short. Okay. Please. I'm not introducing myself then. Very quickly, I think it is important to realize, how climate-induced risk to water sector is very important to ingrain when we talk about basin water management or water management at any scale. What we see is that, our experience across South Asia is that most of the water demand management interventions, right, or water augmentation interventions, actually are unable to capture this risk. So is there any kind of effort from the international network side of it or from the funding agency side of it to come up with the guidelines to ensuring that risk assessment becomes part of your water resource development and management projects? That is the simple question. Okay, one last question. Very brief, please. Oui, merci. Merci beaucoup. Moi, je suis de l'administration des eaux et forêts Chasse du Bénin. Et je cherchais déjà l'OSS comme une épingle dans la forêt. Aujourd'hui, c'est vrai que la thématique s'est liée beaucoup plus à l'eau et au climat. Et je voudrais juste dire, pour cela, je laisse la question. Je vais juste demander à l'OSS que nous avons assez de projets liés beaucoup plus à l'énergie, et beaucoup plus à la biodiversité au sein de la DGEC. Et je voudrais que dès que les projets vont vous parvenir, que vous nous aidiez beaucoup plus alors à nous les financer. Ça, c'est ma doléance que je voulais poser. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous arrivons à la fin de notre événement. Et pour conclure et donner le mot de la fin, j'invite Son Excellence Monsieur Nizar Baraka, qui est le président du RIOB et qui est ministre de l'équipement et de l'eau du Royaume du Maroc, pour nous donner le mot de la fin. Merci beaucoup. First of all, I would like to thank you for this event, and I'm delighted to conclude with this high-level session, which dealt with a very important issue, which is to move from incubation to financing adaptation. Financing, which is, I personally consider, a major lever for accelerating the development of water and climate projects. Indeed, this session clearly highlighted that it's necessary and urgent to finance ambitious climate change adaptation projects to preserve our water resources, and particularly groundwater resources in the basin of our lakes and rivers. The volume of the available fund is not the main obstacle preventing action with this level of ambition and on this scale. However, the main issue is that of access to climate finance for adaptation projects in the water sector, and we heard from our partner here what it can be done to do this. Project leaders need support in developing the proposal they submit to climate finance donors. But as Mr. Nabil Benkhatra said, we have to strengthen national capacities in African countries to prepare bankable projects, and also to develop the information system to be sure that is adaptation projects and to have enough information about climate change.
And I think also that nevertheless, climate finance donors need support for project detection. And we heard from Asian Bank of Development and also from Adaptation Bank what it's been done on this topic. Ladies and gentlemen, in order to meet this need, that the international network of basin organization administers the Water and Climate Project Incubation Platform. The objective of this Water and Climate Projects Incubator is to accelerate the emergence of quality adaptation projects at the scale of hydrographic basins. Incubation consists of technical support, and that's what the platform we have in our international network of basin organization to accelerate the emergence of quality adaptation projects at scale. As I said, incubation consists of technical support for the production of a project concept note. And at the same time, we are trying also to prepare this project to be submitted to finance donors. A significant leverage effect is expected. It's between 1 to 100 between the incubation budget and the project implementation budget. That's why we worked since 2017 to develop these kinds of support on this platform. And I can tell you that we had more than 50 projects have been supported at the early stage of their writing. To conclude, I would like also to say that we invite, as current president of INBO, project leaders, and we have lots of focal countries here present with us in this session, the donors to work jointly in favor of better adaptation to climate change at the basin scale. Because we consider that the basin scale is really it's very important because it's a territory approach, and the basin give this opportunity to have these kinds of work, and also we consider that we need also the donors join also this platform, and thanks to that we can really have a better water and climate project incubation platform. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you for the audience. Thank you for the panelists. And thank you to the interpreters, also guys there. Thank you so much. Can I invite you for a picture for the panel people, please?